C'est le moment de faire valoir ma superbe chanson. Je mets la Rika pour forcer soit une immune, soit le ban sur la Rika. Et je pense que je vais aller ban le Daphnis en vrai. Mais quoique non, parce que si je fais ça... Ouais, du coup, il va me ban quoi? Il va me ban ça. Donc s'il me ban ça, je suis pas assez rapide. Donc je suis obligé de ban son stripper. Ah non. Ok. Bah du coup, c'est pas mal pour moi parce que... Est-ce que c'est pas mal pour moi? Ben pas vraiment en fait, parce que si je reset son Daphnis, ça veut dire que je peux pas reset lui. Et j'ai pas de stripper, donc je suis fucked up, Marika sert à rien. Donc je suis obligé de reset son Velajuel. Et de partir du principe que le Daphnis va foirer. Ou de prier pour que le Daphnis foire. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. Ouais. Mais le problème c'est que si je bannais pas le Vela... Ouais, après remarque, il me stripait, ça marchait pas bien avec son Daphnis. Ouais, je sais pas, c'était compliqué là. Et là, je vais me faire forcément sécher parce qu'il a même pas besoin de... Oh, nice. Alors ça, c'est nice. S'il loupe, c'est nice. Grid et va sur la Rika. Yes! Il est trop con. Rika, c'est Sandraise, mon bonhomme. Ok, bon, ça, c'est cool. Enfin, c'est cool entre guillemets, hein, parce qu'on va quand même se faire sécher. Mais au moins, la Fran a résisté, du coup, il a pas pu me la sortir. Elle proc. Oh non, lâche. Nice, résistance. Ok. Donc là, on va faire ça. On va faire ça. Et on va attendre les procs, tout simplement. On va attendre les petits procs. Oh non, c'est lui qui proc. Mais au moins, il va me donner des procs normalement. Il me faut... Si je proc ici, c'est huge de fou. J'ai full crit alors que je suis glancing. Oh, nice. Ok. Dis-moi que tu proc pas et que t'as pas ton immune. Parce que s'il proc, il a son immune. Hein. Il faut que la Fran proc, là. Si la Fran proc, c'est huge de fou. Merde, il va me tuer ma truc, là. Ah, il m'a reset les cooldowns. Et j'ai pas proc sur ma Fran, ça fait chier. En vrai, j'ai pas de chance parce qu'il a double proc et moi j'ai pas proc. Et il proc. Donc là, il en est à 3 ou 4 proc, je crois. Hein. Donc il peut cycler. Bon, bah, il gagne sur de la chance, encore une fois. Ça va, mon chat? Viens voir. Viens. Ça va? Bon, il a eu beaucoup de chance parce que là, il a full proc. Changement de plan, on va mettre une Diana. Là, si j'avais ma Etna, j'aurais mis Etna. Hein, ça aurait été insane. Du coup, il va ban Diana. Il ban Daphnis. Ok. Donc, il laisse une Diana qui va imploser sa Syrah, son Vigor et son Shaw. Et vu que j'ai l'immunité, normalement, ça a tort. Je devrais la gérer. Techniquement. Il joue avant moi, donc c'est un peu chiant, mais pas trop non plus. Enfin, j'en sais rien. Si, parce qu'il va me strip ma Fran. Ah, résistance. Ça fait chier par contre, tu vois. Que ça résiste ici parce que j'aurais pu one shot son truc sinon. Avec ma Diana. Et là, putain, je suis baisé parce que si je me transforme, je vais me faire sécher le cul. On va viser un stun ici. Mais non, mais je suis con, faut que je stun la cire. La... C'est catastrophique. Je suis pas concentré, je joue mal. Là, c'est là. Clairement, il faut sécher la Hathor parce que la Hathor peut m'endormir en fait là. Non, mais je la perds en fait celle-là. Le fait qu'il ait eu ma Fran T1. Donc mettons que je banne ça. Mais c'est encore une game Diana ça. Hein. Enfin, c'est encore une game Etna normalement, mais. Mais du coup.
Ouais. Donc là, il peut one shot ma Vanessa normalement. S'il fait un déchiquette là-dessus. Ok, il y va pas. Ok, il y va. Chè, résistance. Du coup, tu sais quoi? Je vais pas lui laisser one shot ma Vanessa. Je vais essayer de mettre un max de dégâts sur le gros là. Comme ça, là, je crois pas qu'il me one shot là. Oh putain, bah si, one shot parce qu'il proc. Oh, ça terrible. Et j'ai pas de revenge, c'est ça? Donc là, t'es en train de me dire, j'ai pas de revenge, et il a pile poil de quoi me tuer, c'est ça? C'est donc ça ma vie là. Et j'ai pas de proc. Et il break def. Et il proc. Non mais ce jeu m'a l'air très intéressant. Est-ce que je peux proc ou faire un stun? Et comment est-ce qu'il arrive tout le temps à break def et... Oh mais ça me saoule gros. C'est incroyable, hein. Mais non, je m'aurais pas des dots parce que je cleansais avec ma Fran. Ouais. Est-ce que je peux proc? Comment vous expliquer que le mec full proc et que ça ne proc pas, moi? Il y a un truc qui m'échappe, là. Est-ce que tu peux revenge vers des heals? Donc non, Verdi, il ne revenge pas. Bah génial. Voilà, bravo. Encore une fois, on perd contre un mec qui est nul. Je suis désolé, hein. Mais le mec est nul en face. Enfin, je veux dire, sa draft pue la merde. Il est pas très fort. Il a full chat. Il a des procs. J'ai pas revenge avec mon Verdi qui est en triple revenge. Donc 45% x 2. Plus la Diana qui proc pas. Enfin, mais de toute façon, je cherche pas. Peu importe, ça change rien. On s'en fout, celle-là je suis censé la gagner en fait. Peu importe la Vanessa meurt ou pas, on s'en branle. S'il avait pas proc, la Vanessa mourrait pas, je pense pas. Et même si elle mourait, de toute manière, ça changeait pas grand-chose, tu vois. Le truc c'est qu'il a trop proc en fait. C'est juste ça. T'es pas censé proc autant en fait. Ou alors ça me donne des procs derrière, j'ai pas eu un seul proc Diana, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est un Asiat qui va encore cleave, sans doute. Hop. C'est terrible, là, on fait que perdre et en plus on perd contre des mecs qui sont pas très forts. Je déteste perdre contre des mecs qui sont pas forts. Ok, donc c'est une slow cleave. Donc on va mettre le peintre, je pense. Ça. Ah, je me disais bien. Je me disais bien qu'il y avait une couille quelque part. Mio. Donc je suis obligé d'amener un deuxième counter. Alors attends, si je fais ça. Parce que je pense que c'est la Tiana qui porte ces sets de merde là. Et
Et on y va en full knuckers. Et on se dit qu'on est plus rapide que lui. Mais la Mio va nous gérer. Hein. Je pense qu'on va se faire Mio. J'ai hésité à Kokanos, ouais. J'ai hésité. C'est quoi, on va regarder ce qu'on va faire. J'ai juste besoin de strip. Et là, le peintre va tout réduire les cooldowns. Et rembobiner les ATB. Voilà. Elle est en revenge, très bien. Derrière, on fait ça. Derrière, on va stun la Mio. On n'a pas stun la Mio. Derrière, on va glande singe la Mio. On n'a pas glande singe la Mio. On va glande singe la Mio et break def. Très bien. Parfait. Ok. Et là... on va tenter notre chance sur la Mio. Voilà. Allez hop. Ça, c'est géré. Voilà. Vous voyez, quand ça se déroule bien, mes drafts sont gagnantes. Quand j'ai pas une RNG négative, je pulvère mes adversaires, mais vraiment pulvérisé. Là, il n'y a pas d'autre mot. Là, on l'a rousté. On lui a rousté sa grand-mère, là. C'était de toute beauté. Voilà comment ça se joue, un peintre. Tu fais passer des strippers avant, et hop, tu rembobines les ATB, ça te redonne un deuxième tour. En fait, c'est un peu comme un tableau, sauf qu'il augmente les cooldowns en même temps. Et qu'il se stun pas. Et derrière, on lui nique sa mère. Bon, il a un stripper pour le moment. Il a un seul stripper et un seul lead speed. Ah, je suis mort. Il a rage quitte le con. Mais non, mais vous êtes sérieux? Genre, c'était plutôt beau jeu pourtant, ma draft. Je comprends pas pourquoi il a live. On l'a fait rage quitte, gros. Incroyable. Je suis mort. Le mec a give up comme ça. Oh putain! Lui, on l'a baisé hier. Je me rappelle toujours pas ce qu'il joue. Ah oui, il joue Diana. Lui, on l'a baisé hier. Hein. On l'a déchiré. Très fort, hein. Il est très très fort, mais on avait une bonne RNG. Et je crois qu'on l'a ricatisé, lui, il me semble, de mémoire. Okanos, il est comme ça. Et Barbara, elle est comme ça. Ouf. Je me souviens plus ce qu'on avait fait contre lui. Barbara est pas si forte ici, je pense. Je suis obligé de quitter Janna en vrai. Hein. Non. Et comme ça, je fais ça là-dessus. Ça, j'ai double reset. Et je vais peut-être même mettre le peintre après. Parce que je pense qu'il est pas si rapide que ça, le mec. À part sur sa Diana.
Par contre, j'ai pas de sustain ici, ça me dérange. Je suis peut-être obligé de prendre une Fran finalement. Parce que si je laisse le Artamiel open, il va me grignoter et j'ai perdu en fait. Ouais, mais une à tort, c'est bien vu. Ah putain, il fait chier. Elles sont dures ces drafts. Hein. Elles sont très dures ces drafts. Que là du coup, je sais pas comment je m'en sors là. Bah non, comment tu te relèves d'une Janna qui te stun tour 1? Après t'as perdu quoi. C'est trop fort Janna. En vrai, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire ça. On va reset ça et on va bomber la Amelia. Proc? Ah mais par contre je me mets dans la sauce là. Ouf! Ouh le one shot. La Amelia était pas tanky du tout. Résistance ici ça régale. Non, additionnel tour ça régale pas par contre. Aïe. T'as intérêt à soigner ton truc parce que sinon il va prendre cher je pense. Parce que je vais avoir un proc sur ma BR. Oh non il m'a stun. Oh le chien. Attends mais même sa truc elle est pas tanky de... Dis-moi que je proc. Ah merde je me suis fait stun. Ok ça commence à être chiant. Bah il a son immune tour d'après donc j'ai perdu. Sauf si ma Syrah proc. Ma Syrah ne proc pas. Donc là il a son immune. Il faudrait que ma Fran proc en vrai. Par contre il a soigné le pire mob. Ah non, les procs. Non, pas de proc. Putain, mais ça saoule Artamiel, gros, à stun comme ça tout le temps. Si je fais disparaître la Hathor, je suis pas trop mal. Je pense. Ah oh, mais putain. Ouais mais j'ai pas le choix. Je tue la Hathor normalement là. Ah oh, je tue pas. Et je proc pas non plus. Et je proc pas non plus. Un petit proc s'il te plaît. Ah oh, c'est chiant en vrai. Gros, t'es en mob haut, t'es un mob feu contre un mob haut. Tu proc et tu mets le dot, mais tu te fous de ma gueule en fait. Et je proc pas moi. Ah merci quand même. Putain, de harta de merde. Il me faut un proc là. Il faut que je break def et que je proc sur le village duel. Ok, j'ai pas le choix. Ok. Me dis pas que je me fais artamialiser là. Hein. Allez, baisse ta mère de là. Let's go, le dirty Artamiel player. Let's go, donne-moi tes points. Merci beaucoup, 3Baby. Thanks a lot, man. I appreciate the gift. Putain, c'est tellement cancer ces teams là. Merde, j'ai paumé mon bouchon. Pouf, c'était tellement dur les gars à gagner ça. Franchement, c'est terrible. Hein. C'est si dur, si dur. Il a eu tellement de stun en early. Par contre, j'ai pas compris. Hein, ça Amelia, c'était une chips. C'était une putain de chips, gros. Genre, ma Syrah, c'est pas du tout une Syrah DPS. Hein. C'est une Syrah tanky qui est faite pour cycler.
Elle a 1800 d'attaque, c'est vraiment de la merde. Genre une bonne Syrah, ça a 400 d'attaque de plus, tu vois. Et le truc, je l'ai implosé, quoi. Bah le moine bestial d'arc, il est pas si dégueu au final. Il est jouable. Il est jouable. On s'est fait battre hein, hier par un mec qui jouait le moine bestial d'arc. Bon, ok, j'avoue, il avait Janna à côté. Mais il avait quand même le moine bestial. Est-ce que c'est un cleaver? Oh, c'est un cleaver. Oh, c'est un dirty cleaver. A dirty cleaver. Et mes Lucian à côté, c'est ça? Bon, je banne Odin, ça fait aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que je mets à côté? Juno? Le singe? Juno, le singe. On va mettre Juno. Ouais. C'est un first ban. Bon, du coup, on va se faire baiser le cul par le Valantis. Espérons qu'on arrive à s'en sortir quand même. Parce qu'il va provoquer, machin, tout ça. Oh putain, après c'est normal. Mais... Donc là, on va prendre cher. Hein. Ok, pas tant que ça, parce qu'il a pas eu la Syrah. Proc? Pas de proc. Oh putain gros, fais un effort. Bon au moins on se sépare du... Ouais mais ça fait trop mal. Faut que je prie pour strip. Ah il est revenge. Mais on est là quoi. Si j'avais calé ma bombe sur Bastet, c'était gagné je pense. Oh non il résiste. Je pense qu'il faut que j'aille là-dessus. Oh, j'ai pas tué. Ah, mais ça tue ça, non? Nice. Mais c'est perdu là. Hein. Putain, si seulement j'avais pas loupé ma bombe sur Bastet, c'était gagné. C'était juste gagné en fait. Ah, oh, putain, et du coup je me. Mais. Gros, les procs, s'il te plaît! Oh. Ah, oh, ça dégoûte. Ça dégoûte. Et. Oh là là, gros, la chatte qu'il a. Et j'ai pas crit et j'ai pas proc. Hein. J'ai toujours pas proc. J'ai toujours pas proc. C'est grave, hein, j'ai perdu. Et il joue avant moi. Dis-moi que je proc, je t'en supplie, proc. J'ai gagné! J'ai gagné! Je suis plus fort que toi! Même en loupant des bombes, je te baise parce que je suis meilleur! Putain, on va quand même pas se faire Japan Cleave avec un Valantis, mes couilles au bord de l'eau! Ça va aussi, les conneries là. Encore heureux que j'ai proc, Koro. T'as vu le nombre de fois qu'il a joué? Et le pixel HP sur son mob de merde. Et le dot qui fait tomber ma BR. Ça va aussi. Genre, au bout d'un moment. Respecte-moi, Billy. J'aime bien mon petit Psabat anti-cliff fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. J'aime beaucoup. C'est grâce à lui si on gagne autant. Depuis que je l'ai changé, il baise des mères. Il baise littéralement des grosses daronnes. Et on a passé la barre des 1600 points.
Donc un 2 contre 1, c'est 2. Fran au Keke Anos. On va y aller balls deep, on va ban le Okeanos. J'aime pas Okeanos. Ah ouais, le mec est vénère, quoi. Le mec est vénère de ouf, quoi. On va mettre une Triana. On va ban Okeanos et on va mettre... un mob haut. Ou un mob feu. Tiens, tu sais quoi, on va mettre un vigor. Comme ça, on aura double sustain. Et on aura un multi-hit pour baiser le truc, là. C'est un bon pick, Etna. Mais je vais la one-shot. Même si tu me bannes Daphne, je vais la one-shot. Je la one-shot quand même. Non, en vrai, je vais pas one-shot Etna, je vais one-shot le singe, je pense. Et je vais bombe la Etna. Non, je sais pas, on verra. On verra. Sa draft est bizarre en vrai. Laisse-moi réfléchir. En vrai, elle me fait trop peur, la Etna. Oh putain, j'ai pas de chance. Bon, bah j'ai perdu. Ah, j'aurais peut-être dû aller sur le singe en vrai. Le singe, je pense que je l'aurais eu, je sais pas. J'ai pas de chance, hein. Donc là, on se fait ces deux polices, c'est vrai. Genre, là, il a réussi tous ses stuns, tous ses break def, hein. On parle d'un C2 quand même, hein. Et là, il a full crit sur ma Triana, hein, avec un mob haut. Bon, bah on est tombé contre un C2 qui vaut G3 et qui bat des G3. Bien joué à lui, il est meilleur. Je pense pas qu'on s'en relèvera de ça. Sa compo pue la merde, hein. Vraiment, le garrot a aucun sens ici. Mais bon, bah, bonne RNG. GG à toi. Et en vrai, je pense que je dois vraiment aller pulver le singe, pas la Etna. La Etna, je pense que j'aurais même pu la contenir. C'était le singe qui allait cycler et proc. Ok, c'est le même fils de pute. C'est le même. Est-ce que tu veux refaire la même game et voir si t'as autant de chattes? Moi, je suis chaud. Il prend vigor, mais en vrai, mon vigor, je voulais pas prendre vigor. Vigor, c'est naze. Ok, donc il prend ça. Il y a pas de problème, mon bro. Il y a pas de problème. On va prendre le peintre. Et tu sais quoi, je sens bien qu'il va prendre Molly, donc je pense qu'on va prendre Molly. J'ai un vieux pressentiment, je sens qu'il allait prendre Molly là. Je sentais qu'il allait prendre Molly, donc on va prendre Molly. Ça nous fera notre sustain. Et ça fait un strip et un cleanse. Et il prend Etna. Très intelligent dans une Molly de prendre une Etna. Et là, t'as intérêt à bannir le peintre. Non. Parce que là, du coup, le peintre va le full reset. Quoique, j'ai pas fait gaffe s'il était wheelé ou pas. Bon, on verra bien. Il est wheelé sur tout le monde. Oh, il est rapide. Il est rapide, le con. Il est... He's a rapid guy, you know. Non mais par contre c'est grave, putain, mais c'est quoi cette RNG là? Est-ce que je peux strip? Merci. C'est incroyable, hein, putain, ma RNG aujourd'hui... Du coup là j'aurais pu strip deux mecs et donc lui baiser sa mère, mais non. J'aurais bien aimé un petit proc pour le tuer. Ah, bizarrement, avec une Molly, ça fait moins le café, hein. N'est-ce pas, Billy? Ok. Il a été rembobiné par le peintre, normalement, non?
Il n'a pas été rembobiné par le peintre, très bien. Elle a été rembobinée par le peintre. J'aurais bien aimé qu'il proc, comme ça je l'aurais strip. Petit proc. Pas de proc. Ça me fait chier parce que la frade, je lui ai réduit qu'un seul cooldown. Évidemment, il a eu ma truc. Évidemment, il proc. Dis donc, ce C2, il m'a l'air bien coriace pour un C2, là. Ça serait pas un G3 déguisé en C2, par hasard? Pas de proc. Ah. Ok. Non, mais ça me va. Après tout, t'as le droit de t'amuser aussi en proquant, hein. Pas de problème. Pas de problème. Par contre, moi, les procs, ça peut ou pas? Genre, il me strip, il me stun, il me sleep, il proc. Ça va la chatte ou pas, les gars? Non, mais no joke. Pourquoi c'est one-sided comme ça? Regarde, il proc encore. Genre, le mec, legit, c'est un putain de C2. Genre, c'est un trash tier et le mec full proc. Non, mais je refuse de perdre deux fois contre ce noob. S'il vous plaît, respectez-moi. Pas de proc, toujours pas de proc. Non, mais c'est grave. Et lui, il veut pas proc non plus. Et ouais, bon, bah ok. Hein. Toujours pas de proc? Toujours pas de proc. Et il proc encore. Non, mais sans déconner, c'est. C'est grave, non? Genre, combien il a eu de plus de proc que moi, sans déconner? C'est un putain de C2, il est nul à chier, gros. Comment je perds deux fois contre cette merde? Ma Barbara, elle strip pas. Le machin, il strip pas. Le truc, il full crit alors que j'ai une Molly dans mon camp. Il a full proc. Faut arrêter au bout d'un moment, gros. Ça se voit que tu triches, quoi. Je veux dire. Il y a un moment donné, c'est pas legit d'avoir une RNG comme ça, en fait. Genre, vraiment, c'est pas legit. Il y a un problème. Oh là. Oh là, oh là. Oh là! Je lui vire son sustain. Parce que là, il a pas vraiment de dégâts en fait. Oui, il a du reset, du machin, du truc, mais il a pas de dégâts. Enfin, il a que Joséphine, quoi. Et du coup, avec le lead vitesse, tout ça, je pense que je vais quand même jouer. Je vais peut-être arriver à faire un truc, avec un peu de chance. Putain, je me fais un peu e-sport ce soir. La session, elle pue un peu sa mère. Hein. On a mis un perfect avec le peintre, qui était merveilleux, magnifique. Mais on se fait un peu e-sport, hein, je trouve. Hein. Merde, donc là. Donc le peintre est pas tanky du tout, on le voit. Là, par contre, il va cycler, ça fait chier. En vrai, je pense que je m'en sors pas là, si. Ah si, parce que j'ai mon Kanos. Pourquoi il a reset quoi? Il a reset la Syrah, débile. Putain, le mec est duper, non? Parce que là, il me donne un sacré shot, là. Là, il vient de me carry mon. Il vient de me carry mon fight, là. Hein. Il est au courant ou pas? Le débile, là. Que ce qu'il a fait, ça puait la merde. T'es au courant que t'as perdu, gros bolos, là? Avec ta compo merdique? Il a reset la Syrah. Il est trop con. En vrai, c'est le Okanos qui a tout fait, là. Bah ouais. Joue une team control, mais apprends à la jouer.
1600 points le mec, hein, quand même. Hein. C'est grave. Hein. Bon, et nous, on a fait du surplace, là. On a fait du surplace. Je sais ce qu'il me faut pour me motiver, les gars. Il me faut mon son. L'autre jour, j'étais en train de me réveiller lorsque j'ai vu la notification popper. Elle me dit que l'énergie est au maximum. Rien qu'à voir ça, mon ventre papillonne. Je vais enfin pouvoir retourner farmer. Les donjons de Kairos sont mes plus grands alliés. C'est parti pour plusieurs runs chez le géant. J'espère au moins obtenir quelques procs violents. Verdelo et Fran sont dans ma team. Ces trois-là font le combo le plus légitime. Avec ça, le boss ne pourra jamais jouer. Ajouter Crow et Sigma et c'est la raclée. Le dragon, je le fume avec toutes mes jumelles. C'est tellement rapide que ça en vient usuel. Je lui mets tellement dégâts que ça en vient insolent. J'espère au moins obtenir 2-3 sets violents. Violents sont nos ennemis, y'en a tellement, c'est pas permis. Je t'espère, n'a rien que pour ça, c'est scandaleux comme Kimana. Les drogues violents sont nos ennemis, j'en ai si peu, c'est interdit. Pourtant je prie RN Jésus, j'ai l'impression qu'il fait blocus. Quelques jours après, j'étais fier de moi. Je rentre dans l'arène, tel un hors-la-loi. Mes LRTA sont de retour. J'y suis allé en courant sans faire de détour. Mes combats de placement se passent vraiment bien. J'arrive même presque à me classer C1. Je tombe sur Jeanne et Perna, ça me fait rager. Un million de procs violents, je suis désespéré. Arrête de nous chercher, t'es vraiment trop nul. T'as pas d'artefact, franchement tu cumules. T'as pas dit 33, c'est aberrant. T'as pas mon niveau, tu n'es pas un grand. Retourne chez les petits, jouer au ballon. Tu nous arrives même pas au talon. Tes teams sont trop nuls, alors abandonne. Si t'as pas ce qu'il faut, bah retourne summon. Non, résistance. BAM. J'en ai si peu, c'est interdit. Pourtant je prie RN Jésus, j'ai l'impression qu'il fait blocus. Oh, je suis un con, j'ai fait péter la bombe, j'ai loupé le Léo. Aïe. Hihi. Glancing, glancing. Glancing, glancing. T'es mort. Let's go. Bah voilà, tu vois, dès qu'on met la musique, ça gagne. Je peux pas vous dropper la musique, les gars. Elle est sur. Enfin, elle est pas encore sortie. C'est un featuring que j'ai fait avec Nobodies et ça sort demain sur YouTube, sur son YouTube. Donc vous pourrez la voir. Demain, je vous la partagerai sur mes réseaux. Allez, dégage de là. Let's go. Elle est bien en vrai. Hein, vous avez kiffé mon petit passage là en mode. Bah, en mode drap FR. Et boum! 1600 points, let's go. Bon, on n'arrive pas trop à augmenter, mais en vrai, ce soir, on joue pas si bien que ça, je trouve. Nos drafts sont pas incroyables du cul. Mais on a mis 2-3 stomps. Golem, fuck. Fuck le golem, fuck.
Tin, 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 tin. Ouais, en vrai, c'est une tuerie le son. Il est bien. Le retour des trucs Stream Elements. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas quoi faire en fait avec ces points-là. Oh, Karg, c'est un autre streamer, lui, qui joue très bizarrement. Lui, il joue des teams fun, lui. Il joue des trucs un peu bizarroïdes que personne joue. Bon, ça marche rarement, mais il joue différemment des autres, je crois. Si je me trompe pas de personne. Putain, mon clavier est tout bugué, là, avec le café, ça colle ma touche, gros. Ah bah non, il a changé son style de jeu. Très bien. C'est une merde comme les autres. J'aurais dû prendre Ganymède, je suis un chacal. Je vais me faire gagner à tort dans le plus grand des calmes. Ah non. Oh, j'aime pas ces teams. Je pense que je Triana à la fin. Je kick ça. Donc il a double leader raise. Ça va, ça sent très mauvais pour moi. Mais jure la vie de ta mère, tu prends ma Triana là. Ah, fait chier. Bon bah YOLO hein. YOLO. En vrai j'aurais... Ouais. Allez c'est parti. Je sais même pas qui tuer. Bah je pense que j'ai pas le choix. Il faut absolument que je contrôle la Tor sinon j'ai perdu. Et je vais me faire tuer un mob tour 1. Et la Yon-On va faire rejouer. Je suis mort en fait. Ma draft pue c'est grand mort. Attends. Ça, on peut faire ça. Ça, on peut faire ça. Oh non, en résistance. Non, ça tue pas. Ça tue. Bah alors, on perd deux mobs tour 1 ? Bolos va ! Alors, moi j'ai pas besoin de soins, de boost attaque, de mes couilles au bord de l'eau. Moi je te slay, brut, comme ça, j'arrive, et je te rentre dedans, et je te déchire. Let's go ! Le brute force. The brute force, les gars. Pas de booster ATB, pas de soins. Pas de buff attaque, juste la puissance des runes. On laisse parler la puissance des runes. Et voilà, ça fait le taf. Let's go. Le Lidress qui a pas carry du tout, il doit avoir tellement le démon. Mais tu vois, je suis content de la passer celle-là parce que honnêtement, ça me fait plaisir dans le sens où c'est tellement chiant de jouer contre des mobs full HP, full res, mes couilles au bord de l'eau, défensif avec 3 milliards de heal et de stun et de machin. Que quand tu sors une compo YOLO, c'est bien que ça passe de temps en temps quand même. Mais là, c'est passé d'une crémitude. Allez, vas-y, on va jusqu'à 15, je pense. Et puis après, on se stoppera là. Je pense que 15 fights, c'est pas mal. On n'a pas eu une super RNG ce soir, mais on a fait des beaux matchs et des mauvais matchs. Je pense qu'il y a des matchs où j'ai mis draft aujourd'hui, très clairement. Mais en soi, ça va, ça. Je suis content du résultat.
je m'énerve moins qu'avant en fait. Même quand je me fais e-sport, je suis un petit peu de mauvaise foi, mais je m'énerve bien moins qu'avant. Alors attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est un mec qui veut se faire bolos ça. Je me tâte même à prendre elle. Et à ban son last. Ah, je sais pas. La Savannah est excessivement rapide. Si je fais ça... Oh non. Ok, ça pue. Ça pue un peu parce qu'elle va pouvoir mettre l'immune et j'aurais bien aimé ne pas avoir d'immune pour ricatiser. Et là, on va perdre un tour sur notre Rika. C'est très chiant. Et du coup, je pense que je vais faire ça maintenant. On la stun. Du coup, elle va devoir faire un choix. Ah bah non, mais elle est tellement lente, sa truc. Waouh. Il a son heal, c'est ça? Oui, parce qu'il a proc. Ça me fait chier, hein. Vraiment, ça me fait chier, je vous le dis. Mais là, au moins, je peux tuer ça. Et retuer ça, et après, c'est fini. Ah, bien vu, ça. Ah, putain, bien vu. Ah, fait chier. Ah, il joue avant. Proc. Ah, il proc. Après, là, normalement, la Rika suffit, là. Hein. Putain, mais il me stun et tout, quoi. Chier. On va faire ça. Ça, et c'est gagné. On a eu du mal à mettre en place la Rika, là. Hein. On a eu beaucoup de mal à mettre en place la Rika, mais finalement, là, on l'a surpassé. Là, si tu te transformes, t'es mort. Hein. Bien joué, la proc encore. Mais putain, et il m'a stun encore. Mais c'est grave. Me dis pas que je perds comme ça. Hein. Je supporterai pas de perdre cette game alors que je l'ai menée de A à Z. Merde, merde, merde. Je me suis trompé, les gars. J'ai mis click. Je voulais bien évidemment reset la Vanessa et j'ai mis click. My mauvais, donc on va devoir tuer la Vanessa, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. On a failli se faire encore ces deux polices, les gars. Genre, ça s'est passé tellement mal à l'open. Allez, encore deux. On a passé le cap des 1600 points. On est bientôt top 500. On climb un petit peu le ladders.
Lui, on l'a déjà fumé, lui. Je me rappelle de lui, là. Sa pépé machin. Rodrigo. Qu'est-ce qu'il joue, Rodrigo? Original. Très original. Mais dis-moi, c'est archi original ce que tu joues, mon bro. Ah, c'est donc cela, le petit Okeanos. Et ben vous savez quoi? Hop, on va lui faire la même, on va le ricatiser. Et là, en vrai, s'il banne pas la Rika, il est dans la merde. Hein. Il banne pas la Rika. Donc on va one-shot sa... On va one-shot la biatch qui fait des putains d'endormissement. Parce que sinon, on est mort. Je pense qu'on one-shot la biatch et on va... après, on le Rika, non? Mais le problème, c'est qu'il va... Je sens qu'il va passer sa bombe. Lui, je sens qu'il va me luxac. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va me luxac, lui. Glancing, glancing. Stop play. Tue-moi cette merde. Et ouais, Rodrigo. Bah alors. Tu peux live, hein. Tu peux live, Rodrigo. C'est perdu. Tu proc beaucoup, Rodrigo. Tu me casses les couilles, Rodrigo. Attends, je l'ai pas reset, là? Si, j'ai reset, quand même. Allez, Rodrigo, mange-toi les stuns. Et les stuns. Oh, Rodrigo. Rodrigo, oui, avec le move. Oh là là, Rodrigo. Oh là là. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud patate. Bam, bam. Bah alors, Rodrigo. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, bébé? Qu'est-ce qui se passe, Rodrigue? Bah alors? Bah alors? Que se passe-t-il, mon bro? El Rodrigo de la Vega. Bah non, laisse-moi de pulvère. Laisse-moi de pulvère l'oignon, bordel de merde. Ah, on veut pas respecter Rika? Bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors que ban la Fran, en soi. S'en battait les couilles de la Fran. C'était pas la Fran la menace dans cette compo. Ouh, un G1 pour terminer. Un G1 pour terminer, les gars. Ok. Ah, je savais qu'il allait me gagner, c'était sûr. Putain, bien vu la Fran. Comment il savait que j'allais mettre Rika? Il est malin, hein. Le problème, c'est que le Daphnis, il se fait one-shot par le Laika, tu vois. Tu me diras, le Antares va se faire one-shot aussi, mais bon. Ah, oh, il est plus rapide que moi, le chien. Oh, résistance. Voyez-vous ça.
Il commence déjà à proc. Par contre, là, si j'ai un proc, c'est cool. T'es obligé d'aller là-dessus ou là-dessus, ouais. Donc lui, il fait pas la même erreur que l'autre. En vrai, j'ai pas trop le choix. Faut que je déchire la torre, là. Mais par contre, mon intérêt, c'est encore cassé, encore une fois, mais bon. Proc, s'il te plaît. Oh, putain, ça fait chier. Quand ça fait ça, en vrai, ça casse les couilles. Et lui, il pose tout. C'est-à-dire qu'il a posé son putain de... Et comme il a proc, il peut déjà me slip ma Syra. Bah ouais, c'est fort. Hein. Mais regarde, il proc pas, gros. Je n'ai pas de proc, allô. Non, mais j'ai pas de proc, c'est pas drôle, en fait. Là, j'aurais pu le slay 40 fois, le mec. Regarde, je joue mon tour normalement. Et j'ai pas le stun sur la putain de connasse, là. Ah, merci. Stun, je t'en supplie, stun. Fais du beau jeu, je t'en supplie, fais du beau jeu, bébé. Fais du beau jeu, bébé, putain, elle est slow. Dis-moi que ma Syra passe avant. Eh merde, ma Syra passe pas avant. Proc, 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 stun, résiste, résiste. Oh, mais gros, il fout le proc. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a pas beaucoup de dégâts, hormis son putain de machin. Et tant que j'arrive à protéger mon Antares, je vais... Vas-y, vas-y, encore, encore, bébé, encore. Donne tout ce que t'as, bébé. Donne tout ce que t'as, bébé. Chè. Chè. Allez, chè. Chè. Ok, il faut absolument que je stack une bombe sur le Laika. Sinon, il va one shot après, au bout d'un moment. Ok, il me fait très mal. Il a déjà récupéré son truc. Par contre, Antares, proc la putain de ta mère. C'est toi la solution ici. Il chope le Okanos. Est-ce que je peux avoir un proc? Putain, ça proc pas. Je vais me faire baiser, hein. Je vous le dis, je vais me faire baiser, hein. Alors que je la mérite, celle-là. Mais mon Antares ne proc pas. Et lui, il proc, par contre. Et mon Antares ne proc toujours pas. Ça me casse les couilles, hein, vraiment. Il la mérite pas, hein. Je vous assure qu'il la mérite pas. Merci. Stun. Oh là là. Ok, proc encore. Proc. Oh, il proc pas assez, gros. Nice. Bah alors, mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, bébé, on veut me gagner à tort? Bah alors, allez, je te press play, le petit G1. Chez! Moi, je sais pas gérer les gagnants à tort. Moi, je sais gérer les gagnants à tort. G1, G2, G3, rien à foutre. Tu me donnes tes putains de points. C'est par ici la monnaie, gros. Voilà comment on gère les petits fils de pute qui veulent gagner à tort. Et j'ai pas eu beaucoup de chance, hein, honnêtement. Très honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de chance. Mon Antares a pas proc du tout au début. Et j'ai failli perdre à cause de ça. Mais vous voyez, avec une petite Molly, comme ça, ça lui enlève son burst sur son mono burst. Qui avait, le Laika quand même faisait beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais il avait quand même une chance sur deux de glancing, quoi. Putain, je suis tellement content. Mais non, parce que moi, je jouerais pas comme ça, tu vois. Le truc, c'est que moi, je la jouerais pas comme ça, tu vois. Je la jouerais pas en mode gagner à tort au canos, machin, mes couilles au bord de l'eau, tu vois. Moi, c'est juste pour l'avoir, pour dire de l'avoir, tu vois. Parce que c'est très fort dans les drafts. Mais c'est pas pour en abuser, tu vois. J'ai pas besoin de ça pour monter, tu vois. Tu vois, la preuve, c'est que je sais combattre ces genres-là. Je sais battre des G1, G2, G3 sans utiliser d'Ator. Et j'ai pas besoin de ça pour climb le ladder, tu vois. Mais juste, c'est un mob qui est ultra fort. Et c'est clair que c'est pertinent de l'avoir dans ses drafts. Ça, c'est indéniable. Peux glance le AK? Bah ouais, je crois bien, ouais. Il me semble bien, ouais. Il a pas un anti-glance sur ses deux spells, hein, je crois pas. Hein. Me semble pas. Hein. Il a un anti-glance sur ses deux spells. C'est son passif. Non, il peut pas. Eh ben ouais, il peut pas. C'est pas son passif.
On peut aller voir hein, si vous voulez. Du coup, on finit la session 140, 59, 3, 0, 8, top 500. En vrai, on est archi bien là. On est archi bien.